sent belle notre barbie. Hein. Et Chiara, attends, je vais guetter Chiara. Alors, au nom des Galgos, c'est une association en fait qui milite contre la maltraitance des lévriers en Espagne. Donc nous avons un refuge sur place en Espagne avec qui nous travaillons et nous sommes là en fait pour essayer de récolter un maximum déjà de dons, de croquettes et tout ça, tout ce qui est nourriture pour ces refuges-là. Et d'une autre partie, en contrepartie, nous on rapatrie les chiens qui ont été maltraités, on les soigne, on en fait un beau chien, un loulou bien dans sa tête pour qu'il puisse revenir après en France et être adopté. Merci. Voilà. Merci. Bravo. Merci pour lui. Eh bien écoutez, moi je vous demande effectivement de venir de voir ce salon parce qu'il y a énormément d'associations de protection animale qui sont là tous dans le même but, c'est-à-dire de sauver un maximum d'animaux, donc qui ont ça en fait depuis des années dans le sang. Ils veulent vraiment que les animaux soient bien et adoptés dans de bonnes familles. Nous avons des professionnels aussi sur place qui seront là pour donner plein de conseils. Donc on a des éducateurs canins, hein, on a des vendeurs de croquettes, on a... Pardon ? On a des ostéopathes, oui, on a plein de professionnels qui sont là aussi. Donc je pense que si vous avez envie d'adopter un chien, si vous avez envie de faire une bonne action, il ne faut surtout pas hésiter à venir à ce salon. Le bord. Il lui ressemble, sauf qu'il est un peu moins... C'est vrai, bon, non, oui. Il ne faut pas être aussi bon que lui. Non mais, t'as pas oublié le bord. Tu sais, il y a le bord ou il y a le café là.